Les amis, pas besoin d'introduction. On va aller sur Find the Flopamorph et aujourd'hui j'ai vu les nouveaux morphs du coup en quittant Ropet. Et d'ailleurs en parlant de Ropet, on va voir ce qu'il nous réserve dans le panier sur dans Find the Flopamorph Zone Hug. Alors, oh, par contre là on a des très beaux, on en a 15 en tout. Non, on en a 21 maintenant, ça y est, on a le max. On a le Chips Flopa, la lettre Q Flopa. On a la dent Flopa, la balle yeux Flopa, donc les yeux basiques, quoi, la Patrick Flopa et le balleur Flopa. On va commencer par les chips qui se trouvent dans le corps de Flopa. Alors on y va. Et d'abord, on a des trucs rouges ici. Oh, c'est un parcours un peu bizarre. Alors, oh, ça m'a l'air un peu dur. Mais il faut bien être précis. Bon, on peut pas le tester, genre, ah là là, Hug. Oh, le Hug Flopa, il peut tout recouvrir, en fait. Non, en fait, il passe à travers, c'est nul. Le Hazmat. Oh, s'il faut pas prendre le Speed. Oh non, parce que là, j'ai fait trop peu, là. Non, bah vous savez quoi, on fera ça plus tard parce que ça va me saouler pendant 90 ans. Et on va regarder s'il y a des nouveaux Flopa. Et bah non, en Roblox, on a toujours les mêmes. Et du coup, let's go, on va aller à l'intérieur de Flopa. Allez, let's go. Ah, boing. Alors, oh. Oh, c'est quoi ça? Ah bah on a même des boules chez Flopa. Ah, ça, oh, c'est apparente. Là, on a un tuyau. Oh, intéressant. Oh, par contre, on a des boules à esquiver. Bon, ça va, ils sont moins rapides comparé à la dernière fois, mais et ça va nous faire tomber. Ils spawnent directement. Ça nous spawn, il faut les esquiver en fait. Oh, ça c'est un peu dur. Hein. Oh, par contre, les deux dernières, c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. Faut bien voir le timing quoi. Ok, let's go. Non. Ouh. Ah oui, d'accord. D'accord, ça m'a fait très mal. L'intérieur de Flopa. Ah, c'est peut-être un endroit où il y a peut-être ces chips. Intéressant. On va voir. Non, il n'y a pas de chips. À l'intérieur de ce paquet non plus. Intéressant. Y a rien sur les paquets de chips de Flopa. Non. Peut-être à l'intérieur du tunnel, je suis sûre. À 90% peut-être. Non. Pas trop. Ça, je me le demande. Bon, on va passer à la suite. On va passer à la lettre K. Alors, basement, can clean. Alors, ça, je me le demande. Ah, ça va être quand t'arrives tout en haut des eaux. Ok. Je pense que ça va être ça. Allez, vas-y. On va monter sur les os de Flopa pour voir s'il y a des choses. D'ailleurs, je crois que... Bon, après, on va essayer avec les boules, parce que là, ça a l'air compliqué. Ça a l'air facile, mais... Oh, l'intérieur ne faut pas... C'est bizarre, hein. Ça, c'est un trop bizarre. Rien, tout en haut, wesh. Bon, on va réessayer le Flopa, là, machin. Oh, c'est vraiment dur hein, maintenant ces Flopa. Hein. Ces Flopa sont vraiment plus durs que les précédents. Hein. Ça, je le précise. Bon, ça marche pas. Bon, on va retourner. On va retourner où il y avait ce Flopa là. Bon, je sais qui c'est, hein, mais bon. On va retirer le speed parce que Hazmat il me plaît pas. Donc, je pense que je vais prendre la Flopa Emerald. Flopa. Non, ça c'est la lettre Q ça. Bonjour, je suis un Flopa Patrick, ça va? De Bob l'éponge. Passons à la suite. Je vais retourner à l'endroit où il y avait les boules, sinon. La dent Flopa, c'est où il y a à manger. Intéressant, là il y a plein de Flopa à l'intérieur, bien sûr. Et là, look for the spawn eyes dans les yeux de Flopa.
Ah, donc du coup, ça va être forcément tout devant, en fait. À 90%, donc il faut que je trouve le visage de Floppa sur la map. Ok, donc si je le trouve, il y a forcément... Ah, j'ai trouvé. Attention, on saute! Et merde, un tout petit peu. Un tout petit peu à côté, merde. Bon, par contre, là, ces Floppa sont vraiment plus durs que les précédents. Hein. Ça, je le confirme. Et attention, oui! Eyeball Floppa! Salut, je suis un Floppa avec des yeux, ça va? Ok, donc maintenant, il ne nous reste plus que 4. Bon, bon, déjà, je sais que le food, le chips et la dent, ça m'a l'air facile, déjà. On va les trouver. Mais les boules, là, je sais qui c'est, hein, le Floppa, mais ça m'a l'air compliqué. Mais on va retester, et si ça marche pas, on va voir. C'est que ça nous fait pousser. C'est bien parce que le timing, je l'ai parfaitement pour les premières boules. Donc déjà, c'est qu'au moins le timing, il est pas vraiment chaud. C'est juste en chiant et relou. Ok, tac. Et là, ces boules-là, c'est impossible. Comment tu fais, c'est... Oh! Oh non! Mais j'y étais presque! Bordel, bon. Et en plus, elle te respawn à l'endroit où t'étais, quoi. C'était relou. Chiant et relou. Ouais. Tout à l'heure, ça m'a fait virevolter dans tous les sens. Tous les sens. Non, non, non. Ok, là, c'est le moment. Ok. Très bien. On esquive la boule. Ok, là, on est retourné à cet endroit précis. Non! Putain, j'ai même pas touché. Bon. Bon, tant pis, c'est impossible et on va aller au niveau de la Floppa Food alors. Buy some food, donc là c'est forcément ici. Donc, je vois pas sur les paquets de chips et les burgers. Hein. Donc soit il y a un souci ou soit les Floppas ne sont même pas là quoi, c'est ridicule. Non, derrière, tac. Non, oh, ça me re-téléporte, bordel. Ça va me recracher, wesh. On a la lettre R, ça c'est facile, mais le souci. Et où là-dedans, Floppa là. Attends, là on est chez les foudres, hein. Vraiment. Hein. De Floppa, ben on y est, mais là pas du tout. Bon, sinon il y avait quoi d'autre comme Floppa? Il n'y a que cela. Sinon il y en a trop. Bon, de toute façon, là-dedans, Floppa, je me demande où c'est. Buy some food. Non, c'est de la nourriture, on est d'accord, mais là. Bon, je vais essayer. Bon, vous savez quoi, je vais couper et dès que j'aurai le Floppa, comment ça s'appelle là? C'est pas Floppa Dance, c'est le Floppa Baller, je vous dirai. Les amis, je crois que j'ai trouvé un Floppa ici parce que là, vous voyez ce petit point blanc, je crois qu'il ne devait pas apparaître ici. Donc, je pense que ça va être un Floppa du coup, bien caché. Donc, on va y aller tout en haut du Floppa. Et dès qu'on l'a, du coup, bon, ça sera plus facile que le Floppa l'autre là, parce que j'ai essayé et j'ai pas pu. Donc, c'est quand même dur. Je le vois même pas, on est qu'il est invisible, wesh. Le fuck. Là, il va être au-dessus de la foudre, donc bon. Ok, donc là, si je vois bien, il faut que juste que je descende un tout petit peu du Floppa. Et normalement, ça doit être bon. Ok. Ok, je vois où c'est. Bon, j'ai le Floppa en vue. Et 3, 2, 1. Je saute. Oui. Dans Floppa. Il est là. Salut, je suis une Floppa dans, ça va? Oui, il est stylé quand même ce Floppa. On dit qu'il est vite, wesh. C'est tellement rigolo.
Bon, je m'attendais qu'il était sur la nourriture, mais pas du tout. Mais en fait, il est bien au-dessus. Par contre, les chips flottent pas. Inside of some meeting, du coup, il est dans les chips. Ah ouais, non, mais dans les chips, ça peut pas être possible. Je vois. Je rentre dans le paquet, il est même pas là. Je rentre dans les chips. Y'a rien. Bah non, il n'y a pas de flopin dedans. Pas du tout, hein. Je suis persuadée, il n'y a pas de flopin. Wesh! Ils sont rigolos, eux. Pourquoi ils font un flopin chips alors qu'il y a... Oh! Attends. Ah non, j'ai cru que je pouvais rentrer dans le paquet. Non, 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 j'ai pas envie de me téléporter. S'il vous plaît. Ah, je crois qu'on peut voir à l'intérieur où il y a le flopin dessiné, je pense, non? Ah non, j'y ai cru. Inside of some meeting. J'ai regardé après la définition. Non, il n'y a pas de flopin chips. Hein. C'est assez bizarre. Hein. Par contre, il n'y a que 3, 4 paquets de chips, il n'y est même pas. C'est quoi ce délire? Bon, attends, je reviens dans quelques-uns. Re les gars, donc du coup, Flopa Chips. C'est assez suspect. Wesh! Il y a un gars qui a trouvé Flopa Chips, mais comment il a fait? Voilà, au-dessus de ce paquet de chips. Y a rien. Quand je clique sur le paquet de chips, y a rien. Déjà que la lettre K, Van Submitting du Ken Klim. Attends, je vais regarder déjà la définition de Inside of Submitting parce que là, ça me fait rire. Inside of Submitting. Google traduction parce que là, c'est assez chelou. Intérieur de quelque chose. Ah, c'est pas forcément du paquet de chips. Ah, ok, je vois en fait parce que au début quand j'ai intérieur de quelque chose, je pensais à un paquet de chips, mais en fait pas du tout. L'intérieur du quelque chose. Intéressant. Là, ça va à l'intérieur de flopin, hein, forcément, mais où? Dans un paquet de chips? Forcément oui, hein, mais bon, je vais refaire le truc des boules si j'y arrive pas. Ah, peut-être comme j'arrivais pas en tant que de flopa, je pense en perso, normalement je devrais y faire. Parce que je suis plus rapide. Je suis largement plus rapide que les boules, normalement, on m'a dit. On m'a dit tout à l'heure là quand j'étais en pause, là on m'a dit ouais Lucas, non? Oh non, j'ai touché une des boules alors que c'était facile. Ah, c'est chaud. On en attend, tout doucement. Là aussi. Là aussi. Très bien. Là aussi. Là, on attend un tout petit peu. Attends. Observe bien le timing. Voilà. Là, j'observe. C'est bon. C'est bon. Là, les deux dernières boules, là, j'arrive pas. Vous voyez que c'est tout bugué, wesh. Chez moi, c'est gouloum gouloum. C'est pas buggy, le jeu il est comme ça. Ah, je pense qu'il y a un timing. Oh non! Bordel! Bon, c'est quoi ce bordel? Je vais jamais y arriver avec tous ces flopas là. Bon, c'est être les flopas les plus durs que j'avais vu de toute ma planète Terre. Parce que là, c'est. Là, c'est impossible. Comment tu fais pour obtenir tous ces flopas quoi? Et en plus d'avoir flopin. Ah, non, j'ai cru. J'ai cru à l'intérieur de quelque chose, mais. Là, j'ai un flopin R, d'accord. Peut-être à l'intérieur d'un tuyau, peut-être. Non, mais c'est plus de la nourriture. Ah. Nye, nye, nye. Oui, descend. Très bien, ok. Non, mais je veux sortir de ce tuyau. Ok.
Bon, les amis, j'ai un plan. Les amis, je vais quitter le jeu et je vais aller regarder sur YouTube s'il y a tous les faux pas, sauf comment dire le. Sauf comment dire le faux pas, la note faux pas. Là, j'ai trouvé là Patrick faux pas, mais je sais que c'est possible, mais donnez-moi. Allez, s'il vous plaît. Bon, il n'y a pas les nouveaux flopas, c'est triste. Mais enfin, bref, bon, je pense à un échec. Peut-être j'essaierai d'avoir tous ces flopas en vidéo. Donc, du coup, bah, les amis, hein, j'ai échoué. Du coup, comment je vais faire? Bon, il reste encore une chose. Il reste encore le Google Traduction. Mais pour le Google Traduction, c'est qu'il faut que j'essaie de trouver les. Moi-même, j'ai déjà trouvé au moins 3 flopas sur 6. Donc, du coup, il me reste encore la moitié des flopas. Wesh, j'ai cru que le jeu, il a été. Alors, du coup, j'ai retourné dans le hug alors. Maintenant, le jeu il est complètement buggé. Non. Du coup, attends, c'est quoi la description de la lettre 4 base? Buchenclim. Bye. Somme. Méfings. Yoclim. Par quelque chose que tu grimpes. Bah, les os de Flopa, mais au niveau des os de Flopa, on peut pas voir la lettre machin là. Lettre K, bon là Roblox c'est carrément bugué sous mes yeux. Voilà, c'est bon. Ok, bah, je vais retester bon, une dernière fois si j'arrive pas à trouver ces Flopa. Bon bah ça sera un échec. Bah, de toute façon, je ne peux pas trouver tous ces flopas. Déjà que les trois autres, les trois premiers, c'est facile. Bon, sauf le flopas dedans un petit peu, mais sinon, ça va. Mais après, c'est la mort. Comment tu fais pour tenir ces flopas? C'est vraiment une zone de difficulté à 90%, wesh. Bon, on va retester. Alors, on va aller dans Flopa, dans quelque chose que tu grimpes. Ça peut être soit les oreilles, ou soit. Dans quelque. Voilà, donc quelque chose que tu grimpes, ça vient ici. Peut-être l'autre côté. Ouais, dans quelque chose que tu grimpes, je pense que je sais ce que c'est, mais d'abord je vais retenter une dernière fois le truc avec les boules parce que là c'est impossible à mort. Parce que là, le bal au prisonnier, wesh, vous me prenez pour qui. C'est vrai que c'est un épique parce que la dernière fois c'était un fou, mais on réussit quand même à l'avoir. Mais là, c'est extrêmement dur. Là, la dernière boule, parfait. Et là, là. Non, là, ça, j'ai un peu peur. Oh! Oui! Ballon, disquette, balle au prisonnier. Salut, je suis un flopa, ballon prisonnier, ça va? Bah ouais. Oh, ça y est, j'ai enfin réussi à avoir ce flopa. Bon, il me reste deux autres flopas à voir. C'est la lettre K qui se trouve dans quelque chose où on doit grimper. Et la lettre. Je peux dire la lettre O, n'importe quoi, parce que j'aime bien la lettre O de la fable pour m'ordonner. Donc, du coup, la lettre K, il se trouve dans un truc où on peut grimper. Ça va être forcément ça. Hein. J'ai regardé sur tous les os de Flopa pour voir. Ah, ça y est, je l'ai trouvé, il est ici. Ah! Bon, déjà avec un flopa aussi banal, je peux même pas obtenir un. Bon, donc vous savez quoi, on va changer de flopa, on va prendre le flopa
Mince, je pouvais pas prendre Flopa Chips. Vous savez quoi, on va prendre le Flopa Coupe du Monde du Qatar. Hein, vous savez bien pourquoi. Hop, la lettre K. Oui. Lettre K, Flopa. Salut, je suis une lettre K, ça va? Q. Enfin bref, donc du coup, il nous en reste plus qu'un, c'est le Flopa Chips. Ouais, Flopa Chips. Bon, Flopa Chips, on va essayer de le trouver, hein, même si je pense à l'intérieur de quelque chose. Ah non, je peux zoomer, non, il n'y a rien. Wesh. Hein. Inside of Flop Meeting. Bon, ben... Ah, peut-être ça va l'air dans les oreilles de Flopa, parce que j'en suis sûr que c'est ça, parce que j'en suis sûr qu'il y avait qu'une oreille, il n'y avait rien, donc il y a peut-être forcément un Flopa qui est dedans. Hein. Ou peut-être je suis con et qu'il y a un Flopa ici, donc bon. Bon, c'est vraiment, c'est pas un échec cette fois, parce qu'on va quand même réussir à avoir au moins deux Flopa. Ah, peut-être cette canette. Ah. J'ai réussi à avoir la canette. Non, bon. On va retester avec un Flopa mieux, on va reprendre le Flopa Coupe du Monde là. Allez, mais... Ah, j'avais réussi! Non. Ah, peut-être dans cette canette. Peut-être dans l'intérieur d'un burger. Ah oui, parce que des fois c'est mangé, donc ça peut être forcément. Bon bref, on va voir si c'est dans l'oreille de Flopa. Bon, ça peut pas être sûr, mais on va voir si c'est à l'intérieur de Flopa. Les oreilles de Flopa. Ah non, ça le téléporte ici, ok. Ok, ma bad. Sinon c'est à l'intérieur d'un tuyau, forcément. J'ai regardé sur tous les dans les deux oreilles de Flopa et sinon je vais aller voir dans les tuyaux. Ouais, c'est quand même dur hein. Vraiment c'est archi dur. Déjà qu'il y a de la neige qui est tombée, c'est vraiment oufissime. Ah non, les oreilles de Flopa, non, il n'y en a pas. Hein. Non. Donc du coup bah on va aller maintenant notre dernière solution. Qui est dans. Et encore de Flopa et dans les tuyaux. Ça peut être là-dedans. Hein. Parce que la bouche, on n'a rien vu, donc ça signifie peut-être que Flopa serait là-dedans. Hein. Un de ces tuyaux, donc bon. Hop, le Patrick, voilà, c'est bon. Et on va prendre justement Flopa Coupe du Monde, il marche pas. Hein. Non, ça marche pas. Ouais, par contre, à l'intérieur de quelque chose, c'est sérieux. Rien qu'on peut monter. Merde. Enfin, mon Flopa il est ultra mobile, wesh. Là, on a rien. Je vais aller sur un tuyau, comme ça, au moins. Je pense que c'est à l'intérieur d'un tuyau, donc normalement je vais aller dans ce tuyau. Bon, là j'ai pas le choix, hein. Flopa c'est quand même dur hein, comme ça. Je pense que c'est une des zones que je vais redouter la prochaine fois parce que là c'est quand même dur. Hein. Ah. Let's go Flopa Chips, c'était le dernier qui nous manquait. Salut, c'est un Flopa qui bouffe des chips, ça va? Et bah oui, et c'est la fin de cette vidéo sur Find the Flopa Morph sur ces derniers Flopa sur la zone Hug qui m'ont donné un peu de fil à retordre. Et du coup, je vous dis bah, la semaine prochaine pour une nouvelle zone sur Find the Flopa Morph et à la prochaine. Et n'oubliez pas, tchuss!